Et la pôle. Allez, en piste. Bon, il va falloir surveiller qui? Chris, je pense, cette fois. Il n'y a pas l'autre connard de la dernière course, là, qui m'a juste crashé de manière totalement gratuite. Je n'ai pas porté réclamation, parce qu'à chaque fois, Ah, de toute t'inquiète. façon, ça donne rien. Et à chaque fois, il faut faire justice soi-même. Voilà comment ça marche. Je m'aperçois qu'on n'est que 5, en fait, sur 7. Bon, bizarre. Il y a Thomas qui avait fait un faux départ l'autre jour, enfin hier pour vous. Il y a 30 minutes pour moi. Je pense que Chris il est prenable en vrai. Battez-vous les deux derrière là. Il m'écoute, il m'écoute! Ah bah non, Thomas, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il a branlé ce con? Oh, le premier virage que je t'ai fait là, le meilleur que j'ai jamais fait, je crois. Littéralement. Oh, le deuxième virage est exceptionnel aussi. Incroyable. C'est vraiment ce virage où j'ai un peu de mal, je glisse. Par rapport aux autres, je pense. C'est là que je perds du temps, quoi. C'est dommage. Celui-là, bon, je pense que ça va à peu près. Oh, on va être sur un gros tour, là. Je commence à faire du gap. 52,9. Eh oui. En fait, vraiment, ce véhicule, faut le faire glisser, il faut accélérer direct pour qu'il se... faut accélérer droit déjà, en fait. C'est ça le secret, je pense. Faut passer le moins de temps possible à glisser. C'est ce que j'ai du mal à faire dans ce virage-là. Après, bon, les autos aussi glissent, mais un peu moins, j'ai l'impression. Toujours une seconde 3, on est sur des chronos assez similaires avec lui, hein. Je crois que... Il est rapide, hein, mine de rien. Oh, les trajectoires agressives! Ah là, je l'ai bien pris. C'est pas mal là. Putain, mais l'autre, il suit, hein, l'enculé là. Oh, j'hallucine. Je fais des tours de barré, mais il arrive à suivre quand même. Hein. Bon, là, il a fait une erreur, je crois. 52,8! Oh. Je crois que j'ai jamais fait un temps pareil en course. J'ai l'impression qu'il commence à surconduire derrière pour essayer de rattraper, mais... Il faut vraiment être très concentré à la manette. Hein. Il faut donner des tout petits à-coups. Avec le joystick. Mais quand on y arrive bien, franchement, quand on gère, les temps suivent. Hein. C'est l'un des circuits où il y a le moins de différence entre une manette et un volant, je pense, honnêtement. Un des combos du jeu
où il y a le moins de différence. Ce n'est même le combo où il y a le moins de différence. De 9 encore. Non mais la course que je suis en train de faire là, c'est la nouvelle course référence je crois. On va attendre de voir la fin mais elle est exceptionnelle celle-là. Il est, le Chris Johnson là, il arrive pas à suivre. 52-8 encore, mais je suis qu'en 52 depuis le début presque. C'est de la folie. Ou alors la piste est plus rapide, je sais pas, mais. Honnêtement, j'en doute. Ah, là par contre, la première qui est pas passée encore. JPP de ça, c'est chiant. A chaque fois j'ai peur de toucher le rail là, c'est relou. Chris Johnson en sueur, hein, vu mes temps là. Faut quand même pas relâcher parce que je pense qu'il est en 53, 1 ou 2 lui aussi. Hein. Au final, il faut quand même continuer à attaquer là. Faut pas se relâcher. Oh, le dernier virage était pas mal. Vous voyez, il faut le faire glisser, faut trouver le grip, direct à l'accélération, bim, tu places en accélération dès que tu es droit en fait. Vraiment, hein. J'essaie de vous expliquer comment ça marche, mais... Alors, ah, ça c'est la manette, je sais pas si c'est pareil au volant, je pense que oui, du coup, mais... Là, j'essaie de trouver la bonne trage, je pense que là, c'était parfait, là. Mais à chaque fois, je vois que je perds du temps, là... sur mon optimal lap. Donc je sais pas comment je l'avais pris ce virage. C'est vraiment là où je peux améliorer je pense. Les autres honnêtement je pense pas. Hein. Celui-là aussi, bon un peu. Je dirais que je suis un peu inconstant dans ce dernier virage aussi. Mais c'est, il est dur à prendre en vrai. 53-1. Vous voyez là par exemple j'ai été moins agressif sur l'accélération, ça va plus patiner du coup. Faut mettre des coups secs aussi, il faut tourner à fond là. Et c'est dur au volant de faire ça en vrai, hein, je pense. Hein. Chris il est rapide hein, quand même. Hein. J'ai du mal à rester sous les... Enfin, d'augmenter à plus de 3 secondes d'avance. Mais bon, là, c'est quand même une des courses les meilleures que j'ai fait hein, sur ce combo. Allez, dernier tour. Même si on s'est un peu relâché à la fin. Pas de beaucoup en vrai, là, mais là, le temps va être 8,55, hein, je pense, hein, honnêtement. Largement sous les 9 minutes. Heureusement que j'ai pas eu me battre avec Chris parce que je pense que ça aurait mal fini encore. Ça va que j'ai réussi à prendre une avance solide dès le début. Plus d'une seconde, mais sinon ça aurait été compliqué. Hein. Ça a été compliqué, la win! Yes! Elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle est belle. Et je parie 8,55, suspense. 56. Bon, ok. Faut encore s'améliorer. C'est beau quand même. Le départ, bon, vite fait, il s'est rien passé de grand chose. Hein. Il n'y a pas eu de contact, ça va, ils ont été propres. Là par contre, ouais, là c'était limite quand même. Hein.
Lui, il est au volant, ça se voit. Ça se voit comment ses roues tournent. C'est fluide. Vous voyez? Après, sa bataille avec Thomas m'a aidé un peu. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, d'ailleurs, là? Ah ouais, d'accord, ok, bon. Ouais, je vois. Je vois Thomas. Nul, Thomas. Ça, c'était l'ancienne où je me suis fait cracher lamentablement. Ça, c'est la nouvelle. Voilà. 53-6 en average uptime. C'est fort, hein. C'est très très fort, hein. Et le pire, c'est que tous ces mecs, là, Chris Johnson, il a que 1500 de rating. En fait, c'est pas énorme, hein. Et putain, pourtant, il est rapide, hein. 53-2, son meilleur tour. Il est pas tombé dans les 52, mais quand même, très rapide. Très régulier aussi. Alors, lui, Stan, par contre. Comment il fait pour avoir 149, en fait, d'e-rating? J'ai déjà croisé lui en plus, hein, mais je sais pas que. Enfin, à un moment donné, tu veux. Enfin, je. À croire qu'il se déconnecte de chacune des courses sauf celle-là, en fait. C'est pas possible d'être aussi mauvais, quoi. Finish position 12, 13, 11, 26, 20, 18. Putain, non mais. Enfin, il est bidon, quoi. Il a fait les courses au moins ou. Ah non, il les fait pas. 102! Ah non, mais enfin, il est vraiment. En fait, il s'inscrit à des courses, il les fait pas, quoi. Quand il les fait, bon, il est pas pourri. C'est incroyable, les licences, là. Mais alors. Non, mais car quoi? Car. Mais quoi? 40 et. Mais non, mais. Enfin. Quoi? 41? Non, mais là, faut arrêter. C'est incroyable. Et 23, c'est quoi ça? Ça doit être Oval Dirt, du coup. Je crois. C'est même pas précisé en vrai, c'est nul. Je crois que c'est Oval Dirt. Hein. Non, mais vraiment, c'est. Enfin, je. Waouh. Respect, là. Hein. Respect pour la nullité. Hein. Bon. On va mettre ça à jour. 21e victoire. Ça fait plaisir. Nous sommes à 12 courses, enfin 12 victoires sur 29 courses. Ça remonte les stats, ça va. Malgré qu'on ait été pourris par des FDP. N'est-ce pas? À demain.